Au lendemain du saccage, les habitants de Combani découvrent les stigmates des affrontements de la veille. On dénombre un véhicule incendié et plusieurs autres vandalisés. Ils nous ont attaqués là hier soir là, à partir de 22h. Là, ils étaient en bande, là, ils ont attaqué là, tout le quartier. Là. Ils ont tout cassé, là, ils ont tout rasé. Ici à Badjoni, quartier de Combani, voici ce qu'il reste des cases en tôle incendiées en début de matinée. Prévenus la nuit de l'arrivée possible des délinquants, les riverains avaient quitté par précaution leur logement. Plusieurs familles vivaient là, elles ont tout perdu. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent s'affronter dans ce quartier. D'habitude, ils se battent à coups de jets de pierre, mais aujourd'hui, le feu aux maisons est une première. On n'a pas dormi là, on avait peur, on est seulement parti avec nos enfants. Ce n'est que ce matin qu'on a découvert nos maisons brûlées. Il a fallu 3 heures d'intervention pour circonscrire l'incendie et sécuriser le site. Aucune personne n'était à l'intérieur dès notre arrivée car les habitants nous ont signalé que tout le monde avait été évacué. Donc après, nous avons pu intervenir rapidement sur les lieux pour manière à pouvoir éteindre le feu. Le bilan des affrontements de la nuit fait état de 8 blessés, dont 6 évacués vers les urgences et 7 familles victimes d'incendies à reloger.